Je m'appelle Pierre-Edouard, j'ai 32 ans, j'ai fait mes études à Paris, je viens de la région parisienne, j'ai grandi là-bas. Et ça fait maintenant la 7e année que je suis au séminaire de la Castille. Je vais recevoir l'acolyta, donc une grâce particulière pour un ministère, pardon. Et donc aussi la grâce que je vais recevoir au cours de l'Eucharistie avec d'autres séminaristes pour animer les prières en communauté et pour le service de l'Eucharistie. C'est une grâce importante, on se rapproche au fur et à mesure de l'autel. Voilà, on était du côté de Lambon, maintenant on se rapproche un peu de l'autel pour tout simplement pour arriver au centre, la célébration de l'Eucharistie pour le prêtre. Le lieu où tout part, hein, tout simplement. Une marche bien haute, mais bon, voilà, humainement c'est impossible. Mais avec la grâce de Dieu, on arrive quand même à faire le pas, à passer le cap. Je m'appelle Leonardo, j'ai 35 ans, je viens du Brésil, je fais partie d'une communauté qui s'appelle Douce Mère de Dieu. Je suis très heureux d'avoir la grâce de recevoir l'admission aux ordres sacrés et aussi l'institution de l'acolyta et lectorat. C'est une immense joie de répondre à cet appel du Seigneur qui m'appelle à être témoin de son salut bientôt en tant que prêtre. Et moi je remercie beaucoup, surtout la Vierge Marie qui intercède tous les jours pour ma vocation. Je m'appelle Christophe Rebecaï, j'ai 32 ans, je suis de la Martinique et c'est avec grand plaisir en cette grande fête de l'Immaculée Conception que j'ai la joie de vous annoncer une étape importante pour moi, c'est le passage de l'institution du lectorat, voilà, afin de me mettre au service de la parole dans l'Église, pour l'Église. Je m'appelle Philippe, j'appartiens à la communauté Recado, une communauté brésilienne. Aujourd'hui, c'est pour nous un jour de fête, c'est le jour de l'Immaculée Conception. Et nous fêtons dans ce séminaire parce que Notre-Dame est notre patronne. La Vierge Marie, elle est le modèle de service et aussi celle qui a porté au monde le Verbe de Dieu, la parole de Dieu. C'est dans cette joie que je me mets aussi au service de l'Église et aussi comme un porteur de cette parole divine au monde. Merci beaucoup de vos prières et merci aussi de la joie de vos cœurs envers nous qui recevons ces ministères aujourd'hui.